Mes amis, mon heure est arrivée, je vous confie mes petits. C'est Shere Khan qui a amené les hommes ici. Compte sur nous pour élever tes petits, et nous te vengerons. Cher ami, repose en paix. Nous enseignerons à tes fils à être sages et courageux comme toi, et selon... Adieu, notre roi, adieu! Tu seras vengé. Bravo, le tigre. Ton plan a réussi. L'homme que tu as conduit jusqu'au roi lion l'a tué. Les amis du lion ont accepté d'élever ces lionceaux. Alors, il est bien mort. Hein? T'as qu'à les écouter, ton vœu est exaucé. Montre-leur que c'est toi le chef, maintenant. Les amis, le roi lion nous a quittés, mais surmontons notre chagrin et profitons de cette réunion du grand conseil des sages pour décider à qui confier les trois lionceaux. Lequel d'entre nous se chargera de leur éducation? La réponse est simple. Il me semble que vous, les loups, êtes les meilleurs éducateurs. Ta nièce a déjà élevé Mowgli, le petit homme, avec succès. L'ours a raison. D'ailleurs, ta nièce a des louveteaux qui ont l'âge des trois lionceaux. Mais nous participerons tous à leur instruction. Oui, car nous l'avons promis au roi lion, notre ami. Chacun de nous apportera sa propre expérience, mais leur foyer sera chez ta nièce, si vous êtes d'accord. À toi l'honneur, ma nièce. Je ferai de mon mieux. Vous parlez des trois petits lions, mais d'ici, je n'en vois que deux. Il n'en voit que deux. Mais c'est affolant. Il en manquerait un. C'est Simba qui est absent. Simba, le favori du roi lion. J'espère surtout qu'il n'est pas en danger. Il faut le retrouver avant qu'il ne tombe dans les griffes du tigre. Simba, où es-tu? Simba, où es-tu? Rassure-toi, il ne doit pas être bien loin. Et quand il aura faim, il reviendra. Demandons au corbeau s'il l'a vu. Le Jim, tu ne vois rien de là-haut. Ah, hélas, non. Bon, eh bien, continuons nos recherches. Venez par ici. Cherchons de ce côté. Et vous deux, allez par là. Simba, où es-tu? Oh non, c'est pire que les griffes de Shere Khan. Simba, tu m'entends? Il ne faut pas le réveiller, sinon c'est la fin. Il faut que je le sorte de là. Que fait-il? Il est devenu fou, c'est sûr. Car on ne s'amuse pas quand le fils de son ami est en péril. Voilà. Bien. Je lui dois des excuses. Il n'est pas fou. Mais les apparences étaient contre lui. «
Encore une fois, nous avons déjoué le piège de l'homme. Il est sauf. Non seulement il n'est pas fou, mais il est digne de confiance. Oui, je sais, je me répète, mais je lui dois vraiment des excuses. Si tu n'avais pas d'aussi bons yeux, Simba aurait eu le même sort que son père. Profondément, ils auront du mal à le réveiller. Vous avez besoin d'aide. Je connais un moyen pour le pousser de là. Je veux bien que tu essaies, mais fais attention, ce n'est pas solide. Bravo, tu l'as échappé, Simba. Ouais. Cela aurait pu mal finir. Ouais. Vena, l'eau, c'est la vie. Oh, tu remercieras la panthère et l'éléphant, ils t'ont sauvé la vie. Ça va? C'est un piège très dangereux que les hommes ont tendu pour nous capturer. Tu comprends? Tu as eu beaucoup de chance. Sans Bagheera, tu serais mort. Comme ton père. Qu'est-ce que tu dis? Mon père est mort? Mon père est mort, oh papa! Ne pleure pas, mon petit. Mais n'oublie jamais qu'il faut se méfier des hommes et du tigre Shere Khan. Oh non, papa! Que dis-je? Ah, je ne sais pas, je ne l'ai pas entendu. Écoutez, taisez-vous, sinon on va tout rater. Maître, depuis la mort du roi lion, tu es devenu le seigneur de la jungle. Tu es grand, fort et magnifique. C'est vrai. Et tous les autres animaux ne sont rien devant toi. Bravo, la hyène! Bravo! Ça suffit! Taisez-vous, c'est moi qui donne les ordres. Et si vous ne m'obéissez pas, vous savez ce qui vous arrivera. Je peux être féroce. Arrête ça, hyène. Sinon, tu vas goûter à mes griffes. Maître, je suis ton dévoué serviteur. Viens d'avoir des amis. Fais pitié de moi, maître. Tiens. Oh, oh, moi, ça, c'est pour moi. Maître, tes désirs sont des ordres. Tu t'es enfin calmé. Débarrasse-moi des trois lionceaux! Bien sûr, je suis à tes ordres, maître, mais les trois lionceaux sont gardés et protégés par tous les autres animaux. Et alors, c'est ton problème. Arrange-toi pour les éliminer. À tes ordres, maître. Nous y allons immédiatement, maître. Eh bien, allez-y! Qu'est-ce que vous attendez? Le seigneur de la jungle ou pas, ce sera toujours un fainéant. Oui. Allô, Simba. Ne te laisse pas abattre. Tu dois réagir. Je comprends ta douleur. Il m'est arrivé la même chose qu'à toi. Mes parents ont été tués par les humains. Mais nous allons devenir grands, forts et malins. Ensuite, nous pourrons les venger. Venger mes parents? Oui, il le faut. Non! Qu'est-ce que je viens d'entendre? Vous voulez vous venger? Savez-vous quelle est la meilleure des vengeances? Ce n'est ni la menace, ni la mort. C'est tout simplement la sagesse. Il est très âgé, alors il fait la leçon à tout le monde. Et en plus, il radote un peu. Mais il suffit de ne pas écouter ce qu'il dit. Oui, j'ai compris. Au revoir! Au revoir! Soyez prudents! Fatigué. Simba! Je suis là aussi! Ah, très bien, mes petits. Il faut dormir maintenant. Rentre dans la tanière, Simba. Non! Ah. Non, c'est moi! Du calme, mes petits, du calme. Allez vous coucher. Déjà, j'imagine que tu veux toujours dormir dehors. Oh, oui. Allez, viens. Je préfère. Je préfère parce que depuis la mort de mes parents, je veux devenir autonome. Je te comprends. Je peux dormir avec lui? Tu me permets de dormir avec mon ami Bimbo? Oui, je veille. J'ai eu la permission de Maman Louve de dormir dehors avec toi. Je peux? Oh oui, je suis content. Ils veulent se faire remarquer. Je voudrais voir leur tête si le tigre les trouvait endormis. Allez, viens. Va te reposer. Tu dois être fatigué. Cette nuit, c'est moi qui veillerai sur eux.
Bon, d'accord, je vais dormir. J'ai des choses intéressantes à vous lire. J'espère que tu as une belle histoire à nous raconter. Pourquoi tu veux lire pour nous? Je veux vous ouvrir les yeux sur l'avenir. Je vais vous enseigner à comprendre le monde qui vous entoure. Vous devez étudier pour acquérir la sagesse. Ne l'oubliez jamais. Bonne nuit. Il va rabâcher ça tous les soirs. Oui, et ils sont tous comme lui. Il voudrait qu'on étudie et qu'on travaille sans s'arrêter. Un lion et tu veux que je mange des feuilles? Tu sais, je préférerais un lièvre bien gras. Non, ce n'est pas un lièvre qui te rendra fort. On va te montrer. À manger des plantes aussi nourrissantes que la viande. Je m'y ferai jamais. Tu devrais y goûter. C'est pas mal comme petit déjeuner. Tous les jours, on vous fera découvrir une plante. Ou un fruit. J'espère que demain, ce sera meilleur. Au revoir. Au revoir, à demain. Au revoir, les amis. Ne réveillez pas si tôt. Ils sont casse-pieds avec leurs conseils. Écoutez les jeunes, écoutez. Avant d'aller dormir, je vous confie le livre sur les lois de la jungle afin que vous puissiez les étudier aujourd'hui. Attrapez. Nous en discuterons ce soir. Je vais dormir. C'est l'heure. Voilà. À ce soir, mes petits amis. Allez, viens, Simba. Tu ne le regretteras pas. On va te rendre sage. Tu vas voir. Sur l'eau. Oh. Oui, c'est pas possible. Je me demande comment il arrive à faire ça. Ah oui, moi aussi. Bah, il faut aller prévenir le maître tout de suite. C'est incroyable. Regarde qui marche sur l'eau. C'est Bimbo et Simba. Oh, le maître sera furieux contre toi. T'as pas encore éliminé un seul petit lion et voilà qu'il marche sur l'eau. On n'aurait pas la berlue. Tous les sages les ont vus. Alors il faut aller l'annoncer au maître. Oui, j'y vais. C'est à moi de le faire. Oh. Quand je vais dire à Shere Khan que Simba marche sur l'eau, il ne me donnera même plus une bouchée de viande. Maître.
Quelles sont les nouvelles? Maître, je ne sais pas ce qui se passe, mais les singes et moi avons vu un des lionceaux et le petit daim qui marchait sur l'eau sans se mouiller. Ce serait pas l'esprit du roi Simba qui serait revenu sur terre? Triple idiot! Ah, si tu te moques de moi... je te réduirai en bouillie. Quoi? Hey, réveille-toi, triple idiot. Ah, il revient, lui. Tiens, pour te remettre de tes émotions, mange, c'est pour toi. Avoue que je ne suis pas rancunier. Tu me racontes des bobards et je te nourris. Oui, maître. Tu as fini, alors retourne-toi. Hein? Écoute-moi bien, je veux savoir la vérité. C'est la vérité. Le lionceau et le daim marchaient sur l'eau du lac. Tu sais bien que c'est impossible. Aucun animal ne peut marcher sur l'eau. Oui, mais je les ai vus. Et les singes aussi. Ils les ont vus. Je me demande si c'est pas l'esprit du roi lion qui agit sur eux. Triple andouille! Voilà que tu crois aux fantômes maintenant. Il y a sûrement une explication rationnelle à ce phénomène, et tu vas la trouver. Que moi, je trouve une explication rationnelle, mais tu dis toujours que je suis un triple idiot. Ou une triple andouille. Plus de discussion, tu vas me ramener les deux morveux. Je saurais bien les faire parler. Allez, dépêche-toi. Voilà, ça suffit pour aujourd'hui. On recommencera demain. Dis, Wétan, tu veux bien m'apprendre à nager comme toi? C'est impossible. Oh, pourquoi? Tu es un lion. Oui? Alors tu as une fourrure et des pattes qui ne sont pas adaptées. Toi, tu es fait pour vivre sur la terre ferme. C'est vrai. Merci encore. On y va. Au revoir. À très bientôt, j'espère. Au revoir. Revenez quand vous voulez. Au revoir. Ah, ils arrivent! S'ils s'échappent, je serai puni et le maître ne me donnera rien à manger. C'est fichu, ils se dirigent vers la savane. Simba, attends! Regarde bien le sol, il y a beaucoup de pièges. C'est un corps sans tête? Mais non, recule-toi un peu. Tu vois, c'est notre ami Asinon, la girafe. Ah oui, je vois sa tête au-dessus du feuillage. Asinon est la plus grande de tous les animaux de la jungle. Et elle est très gentille. Elle n'a pas besoin de s'étirer le cou pour voir au loin. C'est vrai? Elle doit jamais avoir de torticolis. Non. Bonjour les petits. Je vous ai vu venir de loin. Est-ce le petit du roi Simba? Oui, t'as le cou comme un palmier. Insolent. Ah oui? Oh, descends. Je vais tomber. Aïe. Je te pardonne car tu es tout petit, mais il faut apprendre à respecter les autres. C'est sa première journée par ici. Il a encore beaucoup à apprendre. Aujourd'hui, nous rendons visite aux amis qu'il ne connaît pas encore. Il se comportera mieux plus tard. Donne-lui un peu de temps. Oui, oui, d'accord. Mais vous devez vite rentrer chez maman louve, car les loups vous cherchent partout. Tu veux bien qu'on revienne te voir, Simba? On doit partir. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Allez. Bimbo, où as-tu emmené Simba, hein? J'étais inquiète, nous vous avons cherché partout.
tu sais aussi bien que les autres qu'il ne faut pas t'éloigner. On s'est promené sur le dos du crocodile. Tu as commis une imprudence. Ils ne savent pas nager. S'ils étaient tombés à l'eau, ben, ils auraient fait comme ça. Oui. Ils auraient bu la tasse. Très drôle. Je vais demander au crocodile qu'il m'apprenne. Et quand je saurai nager, ce sera mon tour de me moquer de vous. Cessez de vous disputer. Sinon, je vais me fâcher. J'en ai assez de vous entendre. Vous allez vous calmer et entrer dans la tanière, car il est l'heure de manger. Après, nous parlerons de l'entraide au sein d'une famille. Qu'y a-t-il, Simba? Ça ne te plaît pas? C'est parce que je pense à mon père. Tu te sentiras mieux quand tu auras mangé. Alors, tous calmés? Très bien, continuez comme ça. Sans vous bousculer, vous allez entrer dans la tanière. Je préférerais aller dormir, moi. Dépêche-toi plutôt d'aller manger. Sinon, ils vont tout finir et tu n'auras rien. Il faut que tu apprennes à faire chaque chose en son temps. Je crains de ne pouvoir éduquer les jeunes lions aussi bien que je le voudrais. Il leur faut la force et l'intelligence pour se défendre dans la jungle. Je ferai en tout cas de mon mieux, car je le dois à leur père, qui était un grand roi, fier et généreux. Il m'a sauvé la vie, ainsi qu'à mes petits. Simba et ses frères ont trouvé une nouvelle famille. Simba a même trouvé un nouvel ami, Bimbo. Grâce à ce dernier, il a déjà commencé à découvrir les mystères de la jungle. Tous les amis du roi lion ont promis de veiller sur les trois lionceaux. Mais parviendront-ils à faire d'eux des lions intelligents, forts et généreux, comme l'était leur père? C'est ce que nous verrons. Vive le soleil, vive la lune, vive la pluie, vive la brume, vive la vie, nous vivons ensemble, vive la jungle et notre bande, tous les copains vivent ici, on se surprend, on se fait peur, on sourit, on fait la course, on se faufile partout et la nuit. Notre mère, c'est une autre maman, Arbor et notre papa, Simba et Bimbo, tous nos amis sont là. Nous avons un docteur, un canari chanteur, un corbeau directeur, un crocodile nageur. À la balle joue le chien, il joue vraiment bien, le cerf pense
se faufilent et les singes sautillent. Nos souris qui marchent, on dirait des stars. Le tigre les observe, les protège, il oublie sa colère de ne plus être roi.